Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends t'expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons parler des puissances d'exposants négatifs. Alors là, c'est plutôt un rappel aussi au 4e, donc vous avez des choses que je vous parlais, vous avez déjà vu sur le 4e, mais on va quand même faire un petit rappel là-dessus, parce que c'est des choses qui peuvent s'oublier dans l'occurrence, les puissances d'exposants négatifs. Alors bon, déjà, il faut savoir que pour tout entier relatif n, et bien en fait vous avez a à l'exposant moins n qui est égal à 1 sur a exposant n, évidemment avec a qui est différent de 0. Donc en gros, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en gros, si vous prenez un nombre n quelconque, hein, donc 1, 2, 3, 4, 12, tout ce que vous voulez, hein, donc pour tout entier n qui est positif, donc comme je vous disais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, et bah voilà, si vous prenez n'importe quel chiffre entier que vous mettez à l'exposant moins n, hein, donc si, du coup ça donnerait par exemple a exposant moins 12, et ben en fait c'est égal à ce nombre, enfin c'est égal à la fraction 1 sur a à l'exposant n. Alors bon, avec a bien évidemment qui est différent de 0. Alors ça, bah, c'est pour en généralité, ça se dit comme ça en généralité. Mais maintenant on va voir comment et bah ça s'utilise, ok. On va voir deux exemples pour bien comprendre ces histoires de a exposant quelque chose. Alors du coup, bah c'est parti pour cliquer. Alors on va prendre l'exemple par exemple de 2 exposant moins 5. Bah 2 exposant moins 5, c'est la même chose que 1 sur 2 exposant 5, ok. Ce qui fait donc, et bah du coup, 1 sur 2 fois 2 fois 2 fois 2, ok. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Hein, donc c'est égal à 1 sur 32. Et donc du coup, bah voilà, ça c'est la fraction. C'est égal à ça, 1 sur 32. Alors 1 sur 32, après ça se calcule. Hein, donc si vous faites 1 huitième, vous trouvez 0, par exemple, vous trouvez 0,125 et après, bah, vous divisez par 2 à chaque fois et vous trouverez le résultat de 1/32e. Ok, voilà. Alors bon, là, je préfère laisser en fraction parce que bon, vous voyez que 1/32e, ça donnera un nombre vraiment très 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 petit. Ok. Donc, vous voyez quand même comment les puissances avec ça, on est capable d'écrire aussi des nombres extrêmement petits. Là, pour l'instant, on avait eu le cas seulement où on écrivait des nombres extrêmement grands, mais là, bah, on est en train de voir justement avec les exposants négatifs qu'on peut écrire aussi des nombres extrêmement petits. Alors bon, 0,5 exposant moins 2, bah c'est égal à 1 sur 0,5 à l'exposant 2. Ce qui fait donc 1 sur 0,5 fois 0,5, ce qui fait donc 0,25. Et donc 1 sur 0,25, si vous multipliez la fraction par 4, ça vous fait donc du 4 sur 1. Hein, donc si vous multipliez votre fraction là ici par 4, donc 1 sur 0,25, si vous multipliez par 4 votre même écriture fractionnaire, et bah vous obtenez 4 sur 1. Et 4 sur 1, bah ça met juste que 4. Voilà. Donc vous voyez quand même comment c'est impressionnant ces puissances d'exposants négatifs. Ça permet d'écrire des nombres extrêmement petits, mais autrement, ok. Alors bon, là je vous ai parlé seulement sur les nombres, mais on peut également écrire des fractions à l'exposant négatif, ok. Alors, petite remarque tout de même, c'est que par exemple, si vous avez un nombre à l'exposant moins 1, en fait, c'est égal à l'inverse de A, ok. Donc par exemple, si vous prenez 15 à l'exposant moins 1, et bah ça vous donnera tout simplement l'inverse de 15, c'est-à-dire 1/15. Donc par exemple, si je vous disais 15 à l'exposant moins 1, comme je l'ai dit, c'est la même chose que 15, enfin que 1 sur 15, ce qui correspond à l'inverse de 15, ok. Voilà, voilà. Alors maintenant, dans le cas des fractions, c'est autre chose. Dans le cas des fractions, quand vous devez mettre une fraction à l'exposant moins n, du coup, et bah, en fait, il suffit juste de retourner la fraction et de la mettre à l'exposant n. Donc, bah, du coup, je vais vous mettre la règle en général, comment ça marche. Voilà, donc par exemple, si vous prenez une fraction a sur b, que vous la mettez à l'exposant moins n, en fait, vous retournez la fraction, donc du coup, ça vous donne une fraction du type b sur a, mais à l'exposant n, ok. Alors, du coup, ça, c'est pour le blabla, c'est bien pour le blabla, mais maintenant, on va voir ça dans des exemples, parce que je pense que vous allez mieux comprendre avec au moins un exemple. Donc par exemple, si je prends la fraction 3/3 à l'exposant moins 3, et bien en fait, c'est la même chose que la fraction 2/3, mais à l'exposant 3, ok. Et du coup, 2/3 à l'exposant 3, on sait le faire, ok. On a dit que quand on avait toute une fraction à un exposant donné, et bien c'est la même chose que si on avait le numérateur à cet exposant et le dénominateur à cet exposant. Donc c'est la même chose que 2 au cube sur 3 au cube. Ce qui fait donc 2 au cube, 8 sur 27. Voilà. Alors là, bien évidemment, c'est dans le cas des fractions, ok, que ça marche, ok. Alors pareil aussi, au niveau des exposants,
et ben on met toujours l'exposant en haut et on met une parenthèse sur toute la fraction. Comme ça nous indique et ben qu'en fait on prend toute la fraction en exp... enfin on met toute la fraction en exposant, ok? Parce que oui, si vous mettez par exemple, enfin si vous oubliez de mettre des parenthèses, on considérera que l'exposant moins 3 s'applique seulement au 3 qui est au numérateur. Et si vous le mettez en bas, bon, ça, on considère que l'exposant moins 3 s'applique seulement au dénominateur. Ok? Voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo qui est assez courte. Bon, globalement, c'était des rappels de quatrième, mais bon, ça fait toujours du bien de le faire. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bon incitatoire en mathématiques et en sciences.